Oh les gars, c'est DBZ, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. Et comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera des nouveaux tutos. Et oui, j'ai bien dit des, car ce nouveau concept vous plaît. Et ça, ça me fait très très plaisir les amis. Ça me fait, et je pense que ça paraît quand même assez logique, parce que au moins vous avez vos tutos plus rapidement et vous en avez deux en une vidéo, et ça, ça fait super plaisir. Donc sans plus attendre, vous avez pu voir dans le titre que ça sera comment avoir l'attaque ultime de Whis et l'attaque spéciale Kamehameha de Broly, mais ça on en reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, parce que là la première quête, ça sera la quête qui consiste à avoir l'attaque ultime de Whis, donc destruction symphonique. Donc sans plus attendre, voilà les amis, tout simplement dans cette quête il faudra juste faire une chose les amis, garder Bou en vie. Et ça, c'est pas difficile en quelque sorte, parce que si vous avez quand même un minimum de niveau, je pense que Whis est battu en 2-2. Comme vous avez pu voir, là on a déjà l'événement, c'est très très rapide. Donc voilà, gardez Bou en vie, il n'y a rien de plus simple. Si vous n'avez pas l'événement, recommencez, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir tout simplement. Donc vraiment les gars, c'est une quête très facile. Par contre, je sais pas si le pourcentage de chance pour avoir l'attaque, je sais pas si c'est aussi simple, je ne pense pas. Enfin bref, moi en tout cas, je l'ai déjà cette technique et je peux vous dire que cette technique est vraiment, vraiment très bien. Il faut savoir que cette attaque ultime, c'est une attaque qui fait partie des super Kikoa et non pas des super frappes, ça je préfère le préciser quand même. Donc voili voilou. Donc dans cette quête, comme j'ai dit, hein, c'est une quête très très rapide. Je pense que de toute façon, j'ai plus rien à dire là-dessus, hein, parce que enfin voilà, c'est le seul objectif vraiment les gars, gardez Bou en vie. Je pense pas que vous avez besoin d'aide sur cette quête là, hein, franchement vous cherchez des gars en ligne, vous faites en sorte de battre Beerus le plus rapidement possible et le tour sera joué, voilà voilou. Donc je pense que je vais vous laisser sur ces images pour cette quête et on va se retrouver tout de suite pour le deuxième tuto les amis, c'est parti. Donc allez, on est parti pour le deuxième tuto. Comme j'ai dit les amis, ce tuto qui consistera à avoir le Kamehameha. Voilà, donc ça sera la quête numéro 53. Et pour le nom de cette quête, ce sera quête du haut, le non-repos des guerriers. Donc tout simplement. Donc sans plus attendre, comme j'ai dit, ça va être une quête encore rapide aussi. Enfin, celle-ci va être très très rapide aussi. Donc premièrement, vous avez pu voir que dans cette quête il y a des boules de cristal, donc il faudra battre Broly avant de prendre les 3 bien entendu. Et petit conseil, pour faire spawn Broly, prenez une boule de cristal dans vos mains. Vous allez voir que Frag Shooter en avait une pour le faire spawn. Et avant de mettre les 3 boules de cristal les amis, il faudra tout simplement battre Broly. Et ensuite, deuxième condition, il faudra vraiment garder Videl en vie. Donc par rapport à ça aussi les gars, j'ai oublié de vous préciser, il se peut qu'il y ait des bugs, parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils ont déjà eu Gohan à la place de Videl. Donc faites attention, voilà, de toute façon que ce soit Gohan ou Videl, il faudra le maintenir en vie, tout simplement. Donc vous allez voir que là on va aller très très vite, que, de toute façon comme je l'ai dit, c'est une quête rapide. Et une fois qu'on aura battu Broly, il faudra ensuite mettre tout simplement les 3 boules de cristal. Donc, le Kamehameha, qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas les amis, ce n'est pas le Kamehameha comme je l'ai dit au début de vidéo. C'est bien une attaque de Broly. Et de toute façon les amis, je vous mettrai en fin de vidéo les attaques, parce que la dernière fois je les ai oubliées, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, là je vous mettrai les attaques, comment je pourrais dire ça, les attaques tout simplement. Je vous le mettrai en fin de vidéo et tout simplement vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, donc une fois qu'on a eu l'événement, tout simplement, il faudra juste encore une fois rebattre Broly. Et ensuite, une fois qu'on l'a battu, il faudra tout simplement prendre les dernières boules de cristal. Donc de toute façon, ce tuto est très très rapide les amis. Donc voilà, il faut savoir aussi les amis que dans cette quête, on peut débloquer aussi le canon final. Donc enfin voilà, une attaque que je n'ai pas encore, mais je tiens à le préciser. Et c'est aussi grâce à l'événement qu'on l'obtient, tout simplement. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ces images. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce n'était pas déjà fait, c'était DBZ. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Ciao.
公開試合